Salut à toutes et à tous, c'est Idri Varedast. Salut Last. Salut tout le monde. Et donc, on va faire notre quatrième épisode sur le Let's Play. Vous y serez, vous Quatrième verrez. Let's Play! Si on commence direct à se perdre, pour quatre épisodes. Donc, on n'a absolument pas bougé. Voilà. On a été toujours dans le quartier Izum, comme vous voyez là. Et voilà, j'avais juste oublié que j'avais une masse comme ça. Mais on s'en fout. Ah, de nombreux terrains super sympas. Comme j'avais parlé au début, il y a pas mal d'écrans de chargement qui sont sympas et des astuces. Ouais. Voilà. Les chargements sont plus ou moins longs. Tout dépend de là où on va. Oui, c'est vide d'expression. Ouais, attendez, je remets mon Te micro. voilà. Oui. Encore. Voilà, voilà. Simon, wesh. Bon bah salut là. Salut alors donc. on est ready pour faire l'enquête. Je te suis. Ouais. Donc en avant, déjà donc on va avec. On va peut-être toutes les prendre. Hein? On va peut-être toutes les prendre. Bah oui, bah c'est ça. Donc il faut les prendre les quêtes qu'il y a ici. Ok. Donc les quêtes des orques. Ouais. Donc voilà. Alors par contre, il y aura une quête qu'on ne pourra pas faire ensemble, puisque c'est une quête qu'on a par race. Donc lui, je sais plus ce qu'il a en tant qu'orque, mais moi, je devrais aller parler devant des gens. Oui, moi, je dois aller planter des bannières. Voilà, c'est pas forcément plus passionnant. Mais, voilà. On doit le faire. Okay. Peut-être les orques du jeu. Voilà. Les orques, ceux qui ont le plus c'est de chèques. Il faut déjà sur les duelistes. Ok. Ah, je me souviens quand j'avais galéré dans la toute première version d'Alec. J'ai galéré quand même pas, mais... C'est chiant. Patate. Oh là là, je suis frappé par derrière. Et hop, épreuve de la reine. C'est bon. Voilà, voilà. J'ai encore gagné mon coffre. Mes folios d'expérience, je les garde pour l'instant. Oui, ces folios d'expérience sont des folios. Il faut les garder, hein. C'est un truc très important. Hein. Bah, level vous up est assez rapidement, donc ça sert à rien d'utiliser dès maintenant. Utilisez-les plus tard dans les level 20. Voilà. Donc ensuite, on va faire les termites. Voilà. Ensuite, bah, on ira chercher le vin, vu qu'on avait pris la quête sur le vin. Ok. Donc, on va boire la potion. Donc, dans la... Qu'est-ce que tu fais? Oui, désolé. Je suis en train d'essayer de ranger un petit peu mon inventaire, c'est pas facile. Ouais, je regarde un petit peu. Ouais, va falloir que je revende pas mal de trucs. Donc, vous buvez la potion et vous faites la quête. Et on commence pas par les termites. Bah sinon vous pouvez faire les termites aussi. Il y a aussi les termites. C'est pas le faire dans un ordre spécial. Comme vous. Le truc c'est que les termites il faut récolter de la viande. Que vous ne chopez pas à chaque fois. Donc j'ai une potion de force. Hop là. C'est vraiment super là maintenant. Enfin, dans ce jeu parce que l'énergie vous en avez un petit peu au début du jeu, vu qu'à chaque fois ça va pas de se vider super vite. Ouais. Et là j'ai pratiquement mana illimité. Bon, aussi avec trois sorts, c'est pas comme si j'allais vider ma mana. Mais bon, là. Je suis toujours guerrier, j'ai toujours de l'énergie. Je m'en plains pas. Là j'ai encore de l'énergie, on fait pas la dingue. Bon, donc on récupère les blocs de béton. C'est bon, moi j'ai fini. Parce qu'on est maçon. Oui. Ouais. Mais surtout parce qu'on est les esclaves de tout PNJ et en besoin d'aide. Et les termites, il y en a deux de côté. Alors oui, nombre de joueurs ont essayé. Oui, c'est légendaire cet endroit. Nombre de joueurs ont essayé de sauter de l'autre côté. Personnage. Alors on attend toujours le fils de Skyrim, Thorakin, qui pourra peut-être passer de l'autre côté. Mais en attendant,
Bah personne n'y arrive pas. Bah tout le monde contourne, comme des clodos. Voilà. Ça, tout le monde déteste cet endroit. Oui, le vent l'a tué parce que c'est trop fort. Non, c'est moi avec ma foudre. C'est impitoyable. Et à chaque fois, comme vous pouvez voir, c'était quand même la deuxième fois dans la vidéo, c'était même pas la même personne. Mais à chaque fois, simplement que je cible quelqu'un, la foudre lui tombe dessus. Vous avez pu le voir. Ça fait deux fois. Je vais sûrement vous dire que c'est mon sort, mais non, même pas. C'est les dieux qui ont mon regard et qui disent « Mon fils, tu es trop puissant. » Et voilà. C'est pas. Non, je me suis pas fait des injections de farine ce matin. Non, pas ce matin. Hop, donc il est mab. Basique, hop là. Voilà. Et l'autre qui recule alors que ça rentre. Ouais, mais pique pas mes meubles. Cool. Donc ensuite, il y aura bientôt des instances. Bientôt, très bientôt. Il n'y a pas énormément d'instances dans ce jeu, c'est pas comme si tous les 10 levels vous aviez une instance, mais je crois que c'est tous les 10 levels. Donc voilà, je vais me prendre. Non mais vous n'avez pas énormément d'instances. Après ça dépend si vous aimez ou pas. Moi personnellement j'ai jamais été très instance, mais c'est vrai qu'à un moment, quand on fait des tonnes de quêtes, on utilise plutôt lentement parce que on a bien monté ses niveaux, quand on est bien HL, on commence à se demander quand est-ce qu'on va faire une instance. Voilà. Mais bon, voilà. On aurait quand même 2-3 instances. Là d'ailleurs on va en faire une au level 10 ou 11, je crois. Level 11 à peu près à la moyenne. Mais ce sera une petite instance plutôt sympa. Ah mais c'était même pas le tien, ah d'accord, je croyais que c'était contre la musique. Non c'est pas le mien. Comment ça va pas le mien? Bah vous avez les mêmes. Il s'appelle Udyr Tigre. Ouais, mais les noms ne s'affichent que quand tu cliques dessus. Alors je ne clique pas sur tous les fans. Ça peut lui dire tigre. League of Legends. Udyr et tigre, c'est tout à fait commun dans la plupart des jeux vidéo. Bah non, dans League of Legends, on peut sur du tigre. Je sais, mais ça, je vais faire une blague. On n'en réagit jamais de façon sérieuse sur une blague. Je dis bientôt fini la quête. J'espère, mais j'ai jamais eu de chance avec cela. Alors je vais regarder avant de remarquer que je n'ai pas, enfin que j'ai depuis longtemps. C'est des trucs affamés ou quoi. Alors, déjeuner des guerriers, termine. Ouais non, j'ai bien pas fini la quête. Je ne me suis pas trompé. Oui parce que je pensais me demander si c'était normal que je gagne. Mais non, c'est normal apparemment, puisque je n'ai pas fini la quête. Mais je ne vois jamais de bol avec cela, à chaque fois j'ai tué au moins très peu de termites. Mais heureusement, c'était c'est beaucoup plus facile maintenant. Et en plus, last assist. Vous voyez la foudre divine, ça bat sur ceux qui que je cible. Voilà, voilà. Je suis couvert. C'est nul. Please, kill me. Tu es couvert de vase. Ah oui, vous nous croyez normaux là. Attendez. Bon, ok. D'accord, il me provoque. Mais là, en fait, on est plus grand normalement. Puisqu'on a tout simplement subi de l'effet. Géantissime de la mort qui tue grave. Bah c'est à cause de la potion que nous avons bu pour récupérer le béton. Donc comme ça nous avons pu faire notre mission et du coup... Le dire c'est qu'on a l'impression d'être à taille normale. Ouais, je sais pas. Ce que je crois un petit peu énervant dans cette forme c'est qu'on déplace l'autre, c'est que les mouvements sont lents. Du coup j'ai l'impression d'être lent. Ouais le personnage va toujours aussi vite. Mais quand il a à chacun de ses pas, l'animation est un peu plus lente. On fait quoi? On va faire la quête qui est derrière? Bah on va faire le 20. Ouais voilà. Il y a les affaires aussi normalement comme une fois. Ah oui, c'est les deux au même endroit. Ouais je crois. À moins que je n'ai pas le 20 je crois, parce que sinon... Retard au travail, 4ème exploit de misère. C'est ça, c'est retard au travail. Si, vas-y, bon, bien. Il n'y a pas d'or pétulé pour l'instant. Bon, bah, je vais chercher ça. Oui, rien, donc normalement avant c'était agressif ici. Ouais. Là maintenant bah c'est neutre. Ouais, en gros il sert plus à rien parce qu'il n'y a aucune quête qui demande de les tuer. Du coup, c'est un petit peu inutile. Mais c'est pas grave. Vous pouvez aussi voir que les murs sont tagués. Les orques sont des rebelles. Ouais, rebelles, on va dire ça, ouais. Mais oui, c'est étrange, pas forcément utile, mais sympa. Voilà, donc les orques sont des racailles. Ouais,
Et bah, ils ont bien raison, puisque de toute façon ils sont dans un état un petit peu sous une dictature, donc voilà, il faut bien les rebelles. Et Faut les donc, ils ont regarder parti de leur. classe quand même. Voilà, ça c'est du rebelle, ça rigole plus, c'est la classe. En rentrant au travail, il faut 3 bouteilles de vin. Oui, mais vu que tu m'as piqué les deux premières, je dois attendre dans la galerie. Oui, c'est nul, mais c'est long, c'est chiant. En plus, tu piques à 3 heures, comment Ouais. t'as fait pour terminer? Donc, ce que tu veux dire de commenter, car étant donné que c'est les zones de Balaben, donc il n'y a pas tellement d'action. Par contre, si vous allez voir des explosions, des joueurs qui sortent de partout pour essayer de vous tuer, des poursuites endiablées, une bannière sur notre dos, ce genre de choses, on va juste tuer des mobs, encore des mobs, C'est un peu dedans encore, les yeux. encore. Elle est sympa, elles sont sympas mes chaussures. On va Oui, la mienne rapporter aussi est plein sympa. plein de choses. Ouais, bon, après, bon, y a pas grand-chose à dire. C'est des quêtes, vous connaissez, vous en avez tous fait, même dans la véritable vie. Tiens, va me chercher du pain, s'il te plaît. Ouais. Quelle vanité. Ouais. Bon, les escarins, par contre, vous n'en avez pas. Et même des fois, ils essaient de changer le nom de quête en Oh là mission, là. par exemple, dans les FPS, on dit, vite, ta mission, on va détruire ce point là-bas. Voilà, en fait, c'est vite, t'inquiète, cher chevalier. Oh là là. C'est quand ils veulent qu'ils font ça. Bon, je sais pas pourquoi, j'ai qu'une bouteille de magnifique sur 3. C'est lent. Ah bah carrément, maintenant c'est disparu. Eh bah c'est magnifique, chers amis. Je sais pas si on va couper ce moment de la vidéo, parce que c'est long, chiant, pas marrant. Mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, dans ce SP, on va vous montrer bah, Izune et le quartier astral. Alors, Izune, Et on... qui est ici, le quartier astral, qui est là. Le quartier astral qui est le quartier désert. Je vois par rapport. Enfin, peut-être qu'ils viennent d'astral, j'en sais rien, mais personnellement, vu qu'on est tous dans le même navire, blague de merde. Bah tiens, est-ce qu'on en profite d'ailleurs pour faire... Ou alors, est-ce qu'on en profite pour faire Izune et le port en haut? Comme tu veux, moi je te dis à chaque fois le port, je l'oublie, je le fais des levels après. Mais... Comme tu veux, mais c'est vers les level 8. Mais il faut avoir au moins la première quête. Et on l'a, je crois. Ouais, on Oui, l'a. c'est bon. Bah ouais, si tu Et veux. on a le level, donc je pense qu'on ira comme ça. Bah, comme ça, vous pourrez voir le quartier astral et le parc de la Victoire, vu que les deux. Souvent, dans le quartier astral, on va vous demander d'aller au parc. T'as fini toi le en retard au travail? Oui, c'est bon. J'ai pris tous les trucs. Comment t'as fait? Il y avait que 2 caisses devant toi. Non, il Ah y oui, en a enfin d'autres. Hein. trois. Elles sont où? Ah Voilà. ouais. Je n'avais pas vu. Ah bah, Ouais, bah j'arrive. parce que je prenais toujours les trois mêmes, du coup, bah, je me disais, mais gaffe. Non, mais c'est bon, j'arrive. J'ai déjà fini. Ouais, super. Oh là là. Ce genre de quête, en plus, on peut pas aller plus vite pour attendre que ça revienne. Je suis désolé. Je suis désolé. Là, c'était désolé. Nous sommes désolés. Et je vais la fermer. Mais... Oui, c'est Donc, bon. tu vas rendre toutes les quêtes de la zone et ensuite on va aller au port Moi, et mais en je dois rendre profiter une pour quête de quartier Ardon. Je dois rendre une quête de quartier Ardon. C'est en retard au travail, justement. Oui, mais c'est un peu long. Ça va être un peu long sur le chemin. Comme tu veux. Mais faudra la rendre un jour. Ouais, mais y a pas de problème. Vu que quand on sera au quartier. Quand on sera au port, donc ensuite ils vont nous téléporter à la vieille place, à la vieille. Place, on va en profiter pour rendre nos missions au quartier Hadron et ensuite on reviendra au quartier Astral. Ok. Bah, je te rejoins encore. Enfin, si tu y es, puisque je ne te vois pas. Ah, si. Il y a tellement d'icônes que je ne te vois plus. Alors, en même temps, je recule toujours la carte. Hein, oui. Ne croyez pas qu'elle est toujours aussi loin. Vous pouvez la mettre bien près, comme ça, par exemple. Mais voilà. Moi, je suis toujours pas habitué de la mettre ici. Peut-être parce que j'aime savoir ce qu'il y a autour de moi. T'as rendu un parfait exercice et petit déjeuner des guerriers? Ah bah non, j'ai oublié. Non, mais moi, je l'ai pas fait non plus. Donc, viens, on fera plus tard. Je sais pas Moi, comment. bah, ouais, c'est pas grave. Allez, on va au quartier du port et on vous montre le port. Et Ouais, ouais. super, j'ai fait le long payé de mon perso là. Pour me faire genre point, 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 point. No comment. Ok. Donc, ce jeu est magnifique. Il est génial et l'ambiance est trop cool. Après ça, c'est notre avis.
Mais, je le trouve génial. Il a pas un peu changé ici? Ah bah oui, il Bah y si, a le une. bâtiment est apparu. Et la pente s'est dérivée un peu vers la gauche. Alors l'une de mes créatures favorites. Et je peux me transformer en elle avec un autre personnage. Le hamster. Coup de foudre. Ah non. Ah, mais je te vois venir quand je te connais. Trop tard, tu es trop lent. Mais par contre, c'est vraiment con, tes deux armes. Oh Oh, tiens, des igueux. Oh oh, tiens, il est mort. oh mince. Oh ouais, on peut se faire le deuxième. Oh non. Donc on peut Ah, voir que ils j'en ont essayé mourrai de trop venir vite. sur le bateau, enfin Bah, sur sur le port. dans le quartier général de l'Empire, mais ils n'ont pas Mais suivi le bon regardez chemin ce et. PNJ. C'est un boss level 47. Il les a démolis. Voilà, ils se sont fait éclater la tête. Et bah du coup, ben, je sais pas s'ils sont prêts de revenir, mais en tout cas, bah c'est pas pour Pense se qu'ils vont détruire. revenir et simplement bah, ils se sont trompés de chemin vu qu'il faut pas prendre ce chemin. Ouais, s'ils vont revenir pour faire chier l'Empire, c'est de l'autre côté. Il faut être assez rapide. Pour profiter en fait, déjà il faut mourir, donc peut-être qu'il en fait exprès. Et ensuite il faut profiter du moment quand on est invisible parce qu'on est mort pour passer sous le nez des gardes. Mais on vous montrera ça peut-être une autre fois. Et c'est la Donc on va quête en profiter pour prendre les de... quêtes du port. Donc as-tu pris les termites et les gobelins? Bah non, faut déjà que je rende la quête, non? Bon, dans le temps, attends, vu qu'après il va nous demander, on va se téléporter, voilà. Bon, voilà. Comme tu veux. Bah je prends sa quête à lui, je prends et je retourne prendre la quête. Donc aussi fait un zoom sur les bateaux pour montrer les bateaux astrales. Vu que Les c'était bateaux un point astraux, fort du ouais. jeu. Et puis c'est classe. Bon, un gros point fort, le point fort c'est surtout d'en avoir un. Après, bon, le principe de quelque chose qui vous transporte d'une partie d'un monde à l'autre, bon. Ouais, parfois je le faisais déjà avec les zeppelins. Moi j'ai l'impression qu'il ne bouge pas vu que j'avance assez vite que lui, mais. Ouais. Bateau astral. Alors ce qu'il y a autour de lui, il a une sorte de légère, très légère aura jaune qu'on voit. Bon, si elle est légère, c'est parce que je suis loin. Bah, Mais c'est un cette aura bouclier. jaune est tout simplement son bouclier astral. Et en tout cas, astral, vous n'avez pas à chercher de mots techniques. Il y a le moteur astral, le pont astral, Ça paraît éviter plein de plein de trucs énervants. Ouais. Mais bon, c'est sympa. Un orque maigre, it's impossible. Voilà. J'arrive. Yasku, la suivante, Caribou. va me Elle a des demander cornes de de cerf. tuer 5 voleurs. Ah, j'aime bien dans les MMO, la manie qu'ils ont de te demander de tuer comme ça. Tranquille. Fait, oh mon dieu, il fait un gobelin nous gêne, il refuse. Et on lui a jamais demandé de se déplacer, mais il nous gêne parce qu'il est sur un minon. Et si vous alliez le tuer? Ah, très bonne idée. Moi, bon, direct. C'est un MMO. Mais ça reste quand même assez marrant. Alors elle, il y a un truc avec les égouts, je sais pas. Ouais, nettoyeur des égouts, bah c'est elle. Voilà, faut tuer 8 termites de steppe et 2 termites des plaines. Ah oui, les termites des plaines sont mieux chiens à trouver, parce qu'ils sont au même endroit, mais ils apparaissent de temps en temps quand ils veulent bien. La dernière fois j'avais eu de la chance, j'étais tombé direct dessus. Du coup je me suis direct tué 2 termites des plaines. Et je m'en Mais vais. vous fuyez dans les coins. Ouais. Non, c'est souvent, ils sont près des murs souvent, ou alors Voilà. près J'étais tellement de. habitué à être chef dans cette zone et à venir en retard, parce que oui, j'ai un petit peu sympa, que là j'allais gentiment poser mon buff, enfin ma malédiction sur le gobelin me casser juste après. J'avais complètement oublié que là j'étais à l'heure les veines normalement. Voilà, je suis habitué. Ouais, je suis habitué à être en retard, moi, il y avait des démolir en un coup. Hop là. On casse la tête au gobelin. Voilà. Il faut tuer 3 voleurs gobelins, je crois. Ah non, 5. Ok. Voilà le dernier. Oui, j'ai eu le dernier, voilà, je l'ai dit, je l'ai fait. Pour les gobelins, c'est bon, donc on va repartir en quête des termites. Voilà. À chaque fois Donc je crois que je me fais voici. attaquer par derrière, mais non, c'est ma barrière comme je vous ai expliqué, parce que j'oublie déjà de l'enlever. Vu que je ne suis pas à la base un paladin, du coup j'oublie, je n'ai pas les manies du palouf. Alors palouf c'est paladin. Oui, vous avez compris, mais je sais. Je sais, voyons mes amis. Je vous continue. Voilà. Oh mon Dieu. Ah, j'en ai trouvé un autre des plaines. Bah, vous voyez, de la situation, on a eu de la chance. Allez, viens, espèce de fourbe créature. Fourbe créature verdâtre.
Oui, on avait dit du roleplay, non? On remarque aussi que les thermites n'arrêtent pas d'exploser. Ouais, c'est chiant, surtout quand on a encore. Parce que là, t'as limite, bon, bah, sa famille est plus dans la tête. Dans la tronche. Non, mais vu que dans la mise à jour, les chamans les plus efficaces maintenant, c'est le chaman au corps à corps. Il fait du cake maintenant. Ouais, mais de toute façon, on peut pas chercher à logier. C'est l'un des points chiants des MMO, vraiment. Un des points négatifs pour moi, c'est que vu qu'ils changent tout le temps, vous pouvez adorer un MMO pour une raison. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, vu qu'ils ont fait une mise à jour, ils vous l'enlèvent. Voilà. Ça, c'est vraiment chiant, parce qu'en fait, vous pouvez pas dire que vous aimez vraiment le jeu tout le temps, puisque un jour ou l'autre, peut-être qu'il va changer et que vous allez le détester. C'est pas un nerf. Non, non, pas forcément un nerf. Hein. Si ou un changement de gameplay. Ou s'ils vous ajoutent un nouveau truc, ou s'ils changent jamais rien. Peu importe, une raison ou une autre qui vous fera que. Bah, que c'est. C'est ça qui est dommage. Pour ça, je me dis, au moins j'ai pas de mise à jour. Pas de mauvaise surprise. Encore un thermite de stat. Oh non. Je vais tirer celui qui est derrière moi, sûrement. Voilà. Je prends entouré. Tu t'amuses à tirer tout le monde? Ouais. Avec le vent. De façon, Last est mon larbin. Bien sûr. Ouais. Et le larbin de ton larbin, un larbin. Répétez ça 10 fois. Répétez ça 10 fois très vite. Ouais. Et là, tout de suite. À son larbin, hein. C'est bah, son gob. Ah, magnifique fail. Ah ah. Supériorité orc. Aucun mérite. Je peux pas tester. Aéroport. Ah ah. Téléportation vers une zone, bah ouais, je pense qu'on peut faire. Donc c'est parti pour la téléportation, vous allez ici voir le moment le plus comique que vous avez sans doute déjà jamais vu. Là il va bien. Là en fait ils essaient de vous filouter parce qu'ils vous font croire, ouais c'est plutôt rapide et tout, c'est sympa. Mais il y a un endroit qui se nomme, je pense qu'on pourra le montrer, puisqu'on c'est le studio. De toute façon on devrait y aller plus tard. Le studio, c'est en fait vous pourrez même prendre un café. Tout ce que vous voulez, et c'est pas une blague, c'est vraiment vrai. Vous avez au moins 6 ou 7 minutes à attendre. Oh, j'y crois pas. Sans rien faire, il est lent le truc. Vous vous tapez la moitié du monde, vous espérez que ça va s'éloigner vite, mais non, vous voyez bien que ça se éloigne lentement. Et vous êtes des fourbes. Trop la classe. Oh putain, je l'ai filmé. Vous avez de la chance, regardez ça. Il est classe. Oh la vache. Je suis devant un cheval jaune. Je sais pas s'il s'appelle comme ça le skin, mais en tout cas pour les loups, c'est comme ça. Et il est trop classe. Waouh. Et non, je ne me suis pas coupé la parole, j'avais dit ce que je voulais dire. Ok, bon, on va attendre Last, qui, je pense, a eu un petit problème. Oui, parce que, bah, comme tu as rendu la quête, et bah... Ouais, tu dois attendre que ça revienne. Non, non, c'est que ça a validé le truc, du coup, je pouvais plus me téléporter. Bah, suicide-toi. Ouais, c'est déjà fait. Mais non, mais c'est stupide, je t'ai dit, il faut que tu attendes que ça se réactive. Non, non, c'est déjà fait la quête. Ah, mais attends, ça l'a activé pour toi aussi. Oui. Ah, c'est embêtant. Embêtant, oui, tout à fait. Ah bah, bon. Du coup, je vais remonter. Et non, ensuite, on va rentrer dans toutes nos quêtes. Ouais. Ah ah ah, le noob. Il est mort dans le vide. Si, si, si. Et je rigole. Oui, c'est nul. C'est chiant à animer, hein. C'est pas facile, vraiment. Alors, aidez-nous, chers téléspectateurs. Envoyez-nous des... Faut rester tranquille. Des smiles. Et des pouces verts. Et abonnez-vous pour plus de vidéos. Oh, j'ai un short. Sans déconner. Ok. Super. J'ai rien de faire notre pub. Il y a un truc pourri qui va forcer la plupart des gens à mettre échappe, à quitter la vidéo et à se suicider peut-être. Alt plus F4. Ah, démon. Et... Short. Ah. Ouais, il est mort. T'as le seul, tu n'as pas tué ça. Fait. Ouais, short. C'est une chemise, ça, plutôt, non? Non, je change ce que j'avais. Je sais pas vu Romain. Ah ouais. Oh, vraiment le vacancier là, chemise. Je vais à la plage. Je sais pas si j'en ai des chemises, mais on s'en fout. Voilà voilà. Durant tes quêtes, je vais t'attendre à les unes. Oh là là, mais c'est pas vrai, les gens sur Skype ils le font exprès. Oh, je suis désolé. Hein. Ah, un coup de poing américain. Vous l'avez dit n'empêche, je vous avais prévenu. Hein. Les gens font exprès quand je filme. De me parler sur Skype. C'est contre toi. Je le sais, je l'ai vu.
Et puis vous devez savoir, hein. Parce que je vous signale quand même, parce que vous le savez peut-être pas, mais hors vidéo, je reçois un message même pas toutes les 3 heures. Ah, un membre de la ligue, Lust. Vite, levons notre bannière et attaquons-le. Oh, t'es mort, t'es mort. Ah, il a bien le seum, hein, parce que je ne vais pas activer ma bannière. Donc regardez, je vais le narguer. Ça va être bon, ça. Regardez, regardez, regardez. Voilà, je danse devant lui, je le nargue. Il fait genre, il s'en moque, hein, mais... Bah, il peut s'en moquer. Je suis en train de le narguer. Allez, là, tiens. Ah non, mais il s'imagine, hein, il prépare même son sort. Ah non, ça monture. Eh bien, vas-y, cher combattant. Oui, vas-y, vas-y. Oh non, il s'est fait... C'était magnifique. Eh ben, je vais piétiner son cadavre. Oh non, c'était magnifique. Oh là, il faudra que tu vois ça. Cette séquence, c'était un pur bonheur. Le mec, je suis en train de le narguer et tout. Bon, voilà, je commence à me foutre de sa gueule, je danse et tout. Voilà, il en a marre, il prend sa monture, il commence à avancer, pardon. Tout d'un coup, paf, il décolle de sa monture. En fait, c'est un policier qui l'a one-shoté, mais vraiment one-shoté. Il a décollé violemment contre le mur, paf, mort, par terre. Rien à redire, c'était magnifique. Oui. Il avait son âme qui volait, donc pendant quelques secondes, il a pu me voir piétiner son cadavre. Ah, putain, il devait être fier de lui. Pourquoi tu t'es porté là-bas? Bah, tu voulais qu'on se rejoigne les unes, et je voulais faire vite, donc voilà, voilà. Bah, t'as fait ça pour rien, puisque je voulais qu'on vienne narguer ce joueur à deux. Mais bon, c'est trop tard, puisque... Hey, il y a encore son âme, ça veut dire qu'il s'est... Oh, dommage. Ça voulait dire qu'il s'était pas encore reste. Dommage, j'aurais bien encore fait un petit smiley pour lui. Voilà, pour lui, je l'aurais fait. Ah, c'était magnifique. Certes, il est mort, mais nous avons des levels à passer. Ouais, non, mais j'y peux rien, mais là, fallait le troller, le mec. Et puis bon, franchement, tu verras dans la vidéo, ça va aller le coup. Oui, le rendu final est toujours essentiel. Non, ça valait vraiment le coup. Alors... La 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 la. Il faut rendre des quêtes, donc là, on va rendre des quêtes. Pas passionnant, mais là. Obligatoire. Monsieur Cabosse et Gros Bras Turulen. Oh, c'est quoi ça non plus? C'est les orques. 3 de force. Bon, 3 de force puisque ne me donne rien. Lutter là. Nous allons commencer. Donc on va aller au quartier astral maintenant. Ah, bravo, tu viens de passer. Merci. Je vais monter dans ma chance. Comme m'avait conseillé là, je compenserai le reste avec. Oh non, je suis désolé, j'ai pas l'habitude à ce que ce soit le bazar. Mais faut plutôt ranger parce que je ne supporte pas le bazar dans mon inventaire. Voilà. Est-ce que c'est ce truc qui me donne de la force? Eh bien, déjà c'est des bretelles. Ouais, elle est beaucoup mieux. Voilà. C'est beaucoup mieux. Ça je crois que c'est un élément de quête, mais je commence à en avoir marre de l'avoir, puisque je crois que j'ai envie avec des plans. Genre. Oui, parfois vous aurez des petits trucs comme ça, des petits bugs qui fait que lorsque vous finissez une quête, l'objet de la quête reste dans votre inventaire. Ah, t'es bien qu'il se passe tout seul, hein. Ah, ils ont changé mon pantalon. Pourquoi ils étaient bien? Et je refuse, puisque je préfère avoir un petit peu moins d'expertise qu'avoir encore moins de finesse. Non, avoir un petit peu moins de finesse qu'avoir encore moins d'expertise. Voilà, voilà. Je suis peut-être un gros noob, mais... Bah tant pis. Bah ils vous emmerdent. Non, quand même pas. Il n'en a pas les viewers. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Condamnation ou frappe de la justice level 2 ou alors peut-être rétribution. Tu as ignore pour DPS. Attends, laisse-moi réfléchir. Pour l'instant bah fais des choses, bouge, danse peut-être aussi. OK. Là, putain, mais avec leur démarche là, franchement j'aurais pu faire un clip de Michael Jackson. Ah donc tu vas monter la frappe de le saut de croisé niveau 2. Saut de croisé. Ouais, ce que je n'ai pas. Ah non, je veux dire l'attaque de l'attaque du croisé. Ouais, voilà. Ouais, je l'ai déjà niveau 2 depuis longtemps. Donc OK, donc à rétribution, tu vas essayer de l'améliorer niveau 3. Je peux améliorer un sort niveau 3 là, mais seulement s'il est déjà niveau 2 puisque j'ai 3 points. Donc je fais quoi? Bah tu as une meilleure rétribution niveau 2 et ensuite tu vas le faire passer level 3. Ok. Sauf que je n'utilise pas tellement. Mais je suis tes conseils. Ok, c'est très utile. C'est un des sorts qui est super utile. Vu qu'il permet de récupérer
De... Mais pas dit qu'on Ah non, il avait téléporté à la récupère plus vieille d'énergie place. maintenant. Hein? On devait pas se téléporter à la vieille place. Ah bah, je vais oublier en fait. On va ensuite normalement vous êtes censé utiliser la pierre de l'aventurier, donc la pierre qu'on gagne, vu, enfin que vous venez de gagner. Ah, alors il y a la quête du boss. Je sais pas si tu veux qu'on se le tente là. Bah A2 c'est mort. Ok, bah tu veux qu'on demande conseil, enfin qu'on appelle l'un de nos amis pour qu'il nous aide? Oui, Oui. on va appeler On un fait une ami. petite pause et on va juste appeler un ami pour qu'il vienne. On ne bouge pas, ou on laisse tête de bouger, pour qu'il retienne bien ta position. Voilà, je mets pause. Et donc nous revoici. Non, désolé. Donc voilà, on a Bonjour invité tout le deux. monde. Ouais, oh bonjour. Donc on a invité deux de nos amis qui sont. Tokmatu GA et Tokmaturge, Non, donc Traumature, le mettez-vous. Traumatreja. Alors là-bas, c'est Aspinata et Eternius, mais ils ne parlent plus, ils sont muets. Donc c'est pas grave. Vous inquiétez pas, ils en reparleront dans l'instance qu'on fera plus tard. Ouais, enfin on espère. Bon, bah on y va. Donc on va faire la mission, donc, comme on l'avait dit. Voilà, Donc on fait des quêtes c'est avec bon. des muets. On est humanitaire. On a les handicapés. Allez, après vous. Enfin, non, 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 on commence. Bon, bah, je commence à tanker et je m'en prends plein la gueule. Oui. Et bah, c'est parti. J'ai envoyé le familier en plus. Voilà, le familier va m'aider à tanker. Tac, mange-toi ça dans ta tête. Ah, bah, c'est une attaque qui s'est attaquée. Oui, je tanque très mal, mais je ne suis pas à la base un tank, je suis DPS. Voilà. C'est très bien. Donc on le tabasse. Ouais. Ah, Donc Traumature c'est. commence à être en difficulté. Ah, c'est Ah tout à bah fait moi ça, je. Jean-Pierre. Je crois qu'on a stoppé la cible. Y'a que moi qui tape. Ouais. On a vu ça, on a vu ça. Mais c'est parce que l'as est un lèche-bosse. Je rigole. Et Ok. voilà. Ah, bah en plus, l'as avait changé d'arme de poing. Du coup, au lieu d'avoir du vieux truc très moche, il a fait très clair. Et voilà, bah un Moi j'ai des points Traumaturja et américains. Traumaturge. Donc, Yes! Aspinata et. Ah, bah ils sont plus muets. Oh Ah bah mince non. alors. Eh ben, on vous remercie beaucoup. Mer Voilà, bah de vous nous rien. avez aidés. Et on se De rien. retrouvera sûrement à Xae. Ok. Et bah, un petit mot de la fin. Oui, bah déjà, c'est un véritable honneur d'être dans cette vidéo et bah merci de l'honneur, quoi. De rien. Allez, Et de moi rien. aussi, merci beaucoup et à plus. Ok, de rien. Bah, c'est De rien. au plaisir, comme dirait Bob Denham, notre maître. Donc voilà, je leur fais un petit au revoir. Voilà, c'est eux qui nous parlent sur Skype, c'est normal. Donc là, c'était bien. Merci Allez, au Jérôme. revoir. D'abord, il faudrait qu'il arrête de parler sur Skype. Et donc voilà. On peut y aller. Ne te mange pas les murs, Donc s'il on va te faire la plaît. quête de faire l'épreuve chamanique. L'épreuve chamanique. Alors ça, le mieux, c'est de la faire tout seul, parce que quand on a fait plusieurs ou avec un familier, c'est l'enfer. D'ailleurs, mets ton familier dans la lade ou je ne sais quoi et c'est trop un moyen. Parce que sinon, Bon, il parce va y avoir que des des fois gros ça soucis. bug et c'est casse-couille. Ouais, moi, avec mon invocateur, j'avais eu de gros bugs. En fait, si jamais mon familier le tuait, alors qu'il fait énormément de dégâts, le familier de l'invocateur, si jamais bah, il le tuait, tout simplement, bah, la quête ne se validait pas. Et il n'arrêtait pas de tuer les mobs, du coup, bah, Ah bah oui, j'ai dû faire tout il a seul. sans doute fait le mec. Du coup c'est pour ça que Ouais, ça s'active pas. je sais. T'inquiète, t'en feras pour Saloperie. rien. Je le fais en premier vu pour les viewers, et après, bah, je Ah bah commence. voilà. Je pars un petit peu pour les Et le quêtes, ok? totem. Bah je pense que c'est fini en. Pour les viewers, oui, c'est une très bonne excuse. Bon, laisse-moi les tuer tout seul, hein, parce que sinon, j'ai pas envie d'avoir tout à recommencer. Hop. Voilà. C'est pas très compliqué, hein. Ces esprits sont faibles, hein, c'est malade. En gros, c'est pas vraiment une épreuve, hein. C'est juste pour se moquer de vous, pour dire bravo, vous avez tué des monstres qui ne savaient même pas se battre. Bien joué. Vous n'êtes pas si nul et ridicule et pitoyable finalement. Ah bah merci, ça fait plaisir. Donc voilà. Bon bah là, tu pourras commencer dès que tu le pourras. Alors ceci Tu est une vas. robe que je viens de mettre. Si si. Effectivement, vous voyez bien que c'est une robe. On ne peut pas contredire là-dessus. Oh là, c'est le gros paysan. Salut. Au Tu veux moins pas ça la faire? change parce que j'ai avec les tenues que je de guerrier bas level à chaque fois je vis tout le temps cette tenue de pompier. De pompier. Ou de militaire ou je ne sais quoi. Ok. Dommage, j'avais droit à un petit cœur sympa. Mais il n'est pas adapté pour moi. Sinon je perds de l'endurance, je crois. L'endurance. Je suis toujours en bas là-dedans, c'est pas que je fais jamais gaffe. Ah, il tient vraiment de la donner, ça, 6 de finesse. Hein. Bon, bah, s'il veut.
Ouais, c'est... Non, mais les coffres de recrues, souvent, vous apportera des choses bien. Ouais, t'as pas fait l'épreuve du chaman? Si, si, vu que ça, tu l'as fait, du coup, ça va aider aussi pour moi. Ah bon? Mais c'est génial ça! Je fais tout, là ça lui fait tout monter, par contre quand lui il fait un truc, ça fait pas monter. Souvenez-vous dans l'épisode précédent, que je n'ai pas encore posté. Ah ah ah, non. Souvenez-vous dans l'épisode précédent, là où Last et moi bah, enquêtait dans les cryptes, et que voilà, il avait fait l'eau bénite, ça a pas compté pour moi. Enfin, je croyais que ça allait compter, du coup, bah paf, j'ai dû retourner. Alors que là, ça compte. Où est la logique? Voilà. Bah, cherchez pas à comprendre. Bah si, non. Last, tu es cheaté. Vous en seriez fou. Trois personnes se sont tuées après pour avoir essayé de découvrir cela. Faites un geste, n'essayez pas. Ouais, en l'air second. Parce que toute la s'en faisait partie. Et elle s'en a. Mais non, je suis encore là moi. Donc c'est reparti pour la série de quêtes qui se trouve dans le quartier astral. Bah vu qu'on a fini Zoom, je pense qu'on va pouvoir couper. Et oui. On se dit donc bah je vais à côté de là, sinon c'est pas drôle. Sinon ce ne sont pas des au revoir. Allez, donc bah c'était Idrivar et Last. Salut Last. Au revoir tout le monde.